la fracouille, bah. Non, gros, tu fermes ta gueule, hein. Ah non, non, non. T'as vu comment tu joues? Espèce d'animal. Totalement taré, celui-là. Hey, yo tout le monde, les potes, c'est Kigounine. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur la chaîne de la Apex Clan. Aujourd'hui, on va parler d'une mitraillette qui est incroyable. On va parler de la LC10, les amis. Une mitraillette qui est très forte au corps à corps. Ce qui est un petit peu le but d'une mitraillette, vous allez me dire. Du coup, les potes, énorme gameplay en solo, comme d'habitude. Si jamais vous voulez checker la classe, on vous la présente en fin de vidéo. Donc, n'hésite pas à checker toute la vidéo. On se retrouve en fin de vidéo pour la présentation de la classe. Ça lag de ouf. Fais-tu des duos comblés? On en a fait hier, Rai, mon bro. Et comment je peux laguer, frère? J'ai 50 ms. Mon stream a pas de soucis. Je rentre pas là-dedans. Elle est bien, Mikol, mais elle est pas non plus exceptionnelle. Putain, ça campe dans le bâtiment, la balayeuse, hein. T'as un MS, mais t'as un VPN, n'oublie pas. La prochaine fois, tu peux fermer ta gueule. Totalement ravagé, le bougain. Yoto, elle est bien la Pharah? En vrai, ouais. Dégage. Au pire, VPN, et alors? Mais je VPN même pas, frère. C'est ça le problème, c'est que je VPN même pas. Dès qu'on fait des kills, on est plus sur les lobbies. Hein. C'est du troll. Un troll, ça fait pour rigoler, frère. On revoit ton humour. Hein. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand les mecs ils voient qu'ils ont tort, ils font « Eh, mais c'est du troll, mec. Faut pas le prendre premier degré, hein. » Aïe, aïe, aïe. Reconnaissance aérienne en approche. Aïe. TTV Darkside. Attention.
Attention, le drone n'a plus de carburant. Retour à la base pour ravitaillement. Non, gros, tu fermes ta gueule, hein! Ah non, non, non! T'as vu comment tu joues? Espèce d'animal! T'as mon taré, celui-là! Reconnaissance lancée. Oh! Un drone arrive sur... La même race que le type d'avant, hein, dans le corner balayeuse, hein! Et le pire, c'est qu'il m'insulte, hein! Oi, oi, oi! C'est terminé, vous avez échoué! Attention! On n'a plus de carburant. Retour à la base pour ravitaillement. Hop. Blocage tactique allié imminent. J'ai les concaves, Pollon. Aïe aïe aïe. Alors j'ai pas tout compris et je préfère ne pas tout comprendre. Non, il va pas. Il y a un mec par contre qui vient de sauter sur le train. Pas de shoot. Il est mort ? Attention, le drone n'a plus de carburant. Retour à la base pour ravitaillement. La Kigou Mobile, voiture kamikaze. Moi, en vrai, j'adore mettre un C4 sur ma bagnole et faire péter un camion. C'est... Moi, j'adore ça, hein. Ouais, c'était sûr. C'était sûr, gros.
C'était sûr. C'est pas passé loin. Hop. Dommage qu'on puisse pas crever les pneus des véhicules. En vrai, ce serait incroyable hein, comme mécanique. Hein. La mécanique serait folle. Merde. La mécanique de péter les pneus serait folle, mais les mecs qui starteraient péteraient les pneus partout, tu vois ce que je veux dire? Vraiment? Ne sois pas trop con en fait, hein! T'es totalement con, hein! Il en reste un. Reconnaissance de la zone imminente. Un drone arrive sur zone. Viens là, j'ai un cadeau. Viens dire bonjour à papa. Des malades. Reconnaissance aérienne en approche. Du coup, il y avait un mec dans la maison là-haut. Il y avait un mec dans la maison là-haut, mais tout à l'heure, ça a tiré au lance-patate. Ah, c'est lui. Je suis prêt. Oula, oula, oh le jeu. Dégage. Reconnaissance de la zone, dégage. Okay. Attention, le drone n'a plus de
Non, non, il était pas mort. Ok. Comment il a pu récupérer Fantôme dans la maison? Comment? Il y avait un colis? Je comprends pas. C'est... Ouais? Why not, hein? Qui joue des balles à poire d'arrêt sur un quart? J'y retourne. Le shoot en Z. Ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas joué une phare, hein. Plus jamais. Ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas joué une phare. Par contre, je sais pas ce qu'ils ont, les gens, à jouer à un Jumazu stable, mais c'est horrible. C'est... Je comprends pas. Y'a un mec dans la maison, c'est sûr. La bagnole, elle est pas là pour rien. Pour moi, il y a un mec là, c'est sûr. Oh, c'est horrible, hein. C'est horrible. Serveur U, gros, c'est que des campeurs partout. Ouais, c'est sûr. C'était sûr. Oh, je vois rien avec le shader. GG. Le problème du soleil, quand maintenant t'es en contrebas, c'est que tu vois rien.
Le gaz se rapproche. Rejoignez la nouvelle zone de sécurité. La voiture elle est morte. Fallait que la voiture soit morte évidemment. Il y a un cadavre, ok, donc c'est là-haut. J'aime pas la zone. Tu vois rien. Entre les buissons verts, la zone verte et le gaz, gros, tu ne vois rien. C'est ignoble. C'est... vraiment. Game à chier, mais bon, ça passe. Vraiment de la merde, cette game. Hein. Du début à la fin, de la merde. On fait 26 kills, mais le gameplay, il est lent. Ok, Gunin. Bro, what the... L'Apex Clan. Monsieur. Apex Clan. Twitch, yeah. Kegunin. Yeah. Best, the best player. Merci à toi le bro. Re du coup les potes, j'espère que vous avez kiffé le gameplay. Si d'abord c'est le cas, pouce bleu, commentaire et abonne-toi, c'est gratuit. Du coup les potes, pour la classe Silencieux Agency qui a donc corps expéditionnaire 13.9, on va mettre la crosse Raider pour gagner beaucoup de mobilité, le chargeur de 45 cartouches également pour la mobilité, et la poignée arrière revêtement de serpent pour gagner de la vitesse de visée, donc de l'ADS. Cette classe les potes est vraiment bien car elle est très 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 mobile. Tu vas très vite, tu cours très vite, tu peux faire des bunny jump assez sympathiques. Le bunny jump c'est quand tu fais un double jump sur le côté, pour ceux qui connaissent un peu les bails, et j'espère que vous la kifferez. Sur ce les potes, c'était Kigunin, j'espère que vous avez kiffé le gameplay. N'hésite pas à mettre ton meilleur commentaire pour le référencement, t'abonner à la chaîne de la Apex Clan et à la mienne. Et sur ce, je te retrouve sur une prochaine vidéo. À toutes les potes.